nous allons chanter ce que vous avez envie de chanter. Ah, on sent là la pleine lune, le guineau à la transe. Elle vient doucement, 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 Zidi. En tout cas, bravo, super réceptif le public. On est super bien accueillis ici. C'était super génial, c'est super cool. Ah. Alors, on va chanter ensemble, vous allez voir, c'est facile. Et on enchaîne, on s'arrête pas. On s'arrête pas, on s'arrête pas. Oh, 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 hi, yeah. Oh,
On nous a fait signe que c'est la dernière. On n'avait pas prévu ça, mais donc on est. Ouais, là c'est le dernier morceau, donc c'est dommage parce qu'on avait des petits trucs de prévu, mais bon. Merci quand même, merci l'organisation, merci Mathieu de nous avoir accueilli, merci tout le monde, merci à vous. Alors nous allons faire court. On va faire un gros mélange funky Gnawa, un vrai gros mélange. Le morceau qui arrive, le refrain c'est Yahbibinti libqiti, libqiti fikoun l'hal. Traduction. Oh chérie, tu es la seule qui compte pour moi. Explication. Mon père qui est Gnawa et ma mère aussi qui est Gnawa, quand mon père allait faire de la musique, jouer un peu partout, qu'est-ce qui se passe encore? On nous dit d'accélérer, mais on va quand même prendre un petit chouïa le temps pour expliquer, parce que je chante beaucoup en arabe et cette fois je voudrais vraiment expliquer ce qui est le refrain. Donc c'est un chant traditionnel d'un Gnawa envers sa femme, parce que c'est elle qui tient la baraque, donc il lui dit plein de mots doux. C'est ça. Alors c'est parti. Merci encore, nous c'était Abdoulan de Gang.